that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. We'll be right back.
Bonsoir à tous. Alors, j'espère que c'est bon pour le micro. Oui, apparemment c'est bon. Alors, faites péter les prouesses au volant de la M12S en moins de 2 minutes. D'accord.
Faites demi-tour dès que possible. Ouais, salut Sévi, salut Brumax62, salut, bienvenue à tous. J'espère que vous m'entendez bien au niveau du micro. Voilà, j'ai baissé le son de la tablette pour pas avoir un écho. J'espère que ça va. Oh purée! Bon, attendez. Je vais recommencer l'épreuve, apparemment. Je suis pas copain avec les arbres. Nickel, ok, c'est vie, y'a pas de soucis. Ah, bienvenue, hein. Petit live détente. Live tranquillou. Comme d'habitude, en mode pour continuer le mode solo. Alors, on va essayer de faire attention, voilà. Oula, oula, prendre le virage un peu trop vite. Alors là, j'essaye de finir un championnat. Championnat avec les buggy.
Oh purée, c'est chaud. Ce virage-là, il est terrible, hein. T'as raison, profite. Moi, je suis toujours dans mes réglages. Ah. C'est vie. Tu fais des réglages aussi? Non, mais tout à l'heure, j'ai installé un logiciel pour amplifier le micro, tout simplement. Améliorer la qualité du micro et du son. Donc, c'est pour ça que j'étais parti dans les réglages aussi cet après-midi, quoi. Voilà. Ouais, je suis rien de bon là pour l'instant, je suis 12e. Pas terrible. Ah! Point de contrôle. Oh bah attends, je vais recommencer. Bah, j'essaie de comprendre pourquoi mon PC crache. Ah oui, ça crache à chaque fois avec RE2. Ouais, c'est bizarre hein, parce que tu m'avais expliqué un petit peu ce souci-là avec. Je sais qu'avec RE3, tu avais pas eu de souci. Ça passait bien. Que le PC crachait pas. Après, c'est un jeu beaucoup plus ancien, donc faut voir. Hein. Ça peut. Tu sais, ça peut jouer sur pas mal de choses. Hein. Les pilotes de la carte graphique, le Windows, etc. C'est un peu délicat de trouver une solution sur ça, quoi. Ouais, on recommence. Parce que apparemment avec RE3, t'as pas de soucis, Séville, il me semble. Hein. Donc ça serait vraiment un problème matériel, ça serait. Moi, je pense que c'est plus un problème de compatibilité via le DirectX, via la carte graphique. Parce que du fait que RE2 est plus ancien, bizarre. Hein. Oh, j'aimerais bien t'aider, Séville, mais je vois pas. Je vois pas pour. Ça me paraît bizarre que t'as pas de soucis avec RE3 et qu'avec RE2 ça plante quoi. T'as des crashs. Ouais. Ouais, bon virage ici. Alors surtout pas louper le point de contrôle. Oh purée. Je l'ai pris un peu vite ce virage là. Hein. Ouais. C'est bon pour l'instant. Donc là, je pense que je suis sur la deuxième course du championnat buggy. Allez, on va attaquer le troisième tour. Ça va, j'ai bien remonté.
Je reprendrai vos messages après, hein, parce que pas toujours évident de vous lire en même temps que je conduis. Ah, dommage. J'ai mal négocié là. Bonne ligne droite là. Attention au virage. Voilà. Allez, c'est bon. On va finir premier. Voilà. Bah, si je trouve pas, j'attendrai d'être chez madame pour le faire. Ouais, éventuellement, ouais. Bah, après, c'est tellement bizarre, ces vies. Hein. Parce que t'as pas d'autres soucis avec d'autres résidences et villes. Et comme par hasard, Resident Evil 2 te fait planter le PC. Moi, je pense que c'est plus un problème de... De logiciel hein. Pour moi c'est ça hein. C'est pas un, plus un problème de PC. Bah, vous me dites si vous m'entendez bien hein, parce que j'ai rajouté un petit logiciel qui permet de contrôler le volume du jeu ainsi que le micro. Voilà. Vous me dites si c'est ok au niveau du son. Voilà, donc c'est bon. Ouais, bah je m'en doute, c'est vie. Hein. Ouais, elle est pas tout récente ton PC. Hein. M'en doute bien. Après, si tu veux des conseils, si tu veux renouveler ton matériel, je peux t'apporter des conseils, y a pas de souci. Hein. Ça, de ce côté-là, n'hésite pas à demander hein, si je peux t'aider. Par rapport au budget que tu veux mettre dans ton nouveau ordi. Mais moi je vais bien t'aider hein, par rapport à ça. Y a pas de problème. Hein. N'hésite pas sur toi à demander. Hein. Voilà. Alors, le championnat, donc ça doit être la deuxième course, il me semble, par rapport au championnat, il me semble qu'il reste celui-là. Ouais, ça doit être ça. Ah non, c'est pas ça. Alors, ah oui, c'est ici, je pense. Ouais, ici. Voilà, ici. Championnat actif. Faites demi-tour. Donc on va y aller. Bon, ça va, j'ai pas obligé d'aller loin. Exhibition, bah non, c'est pas ça. La mince. Non, c'est pas ce truc-là. Ouais, non, n'hésite pas, Sévi, hein, si je peux apporter des conseils. Par rapport au budget que tu veux investir dans un nouveau PC, il y a tout le temps possibilité de trouver une solution quoi. Voilà. Hospital Records avec London Electricity et Chris Goss. Et c'est l'heure du Forzaton. Je crois que tout est dit. T'as qu'à leur parler des défis. Ah oui, tiens, c'est vrai, j'oubliais. Il y a des défis à thème. De gros bonus pendant une durée limitée. Alors profitez-en à fond. Et surtout, restez en notre compagnie. Km/h quand même. Pas mal hein, pour un petit buggy. Ouais.
Aïe. Ah, par contre, dès que tu perds le contrôle, dès que ça glisse un peu, ouais. Ah, dommage. Ouais, c'est vite. À 400 mètres, tournez à droite. Ah, c'est vite, tu m'as doublé. Ah, l'ambiance sonore est pas mal, hein. À 400 mètres, même ton dravateur il est. Ton dravateur il est. Il me fait des misères, hein. Tournez à droite. À droite. Voilà. À 200 mètres. À gauche. Oh, oh le virage. Sérieux, j'ai pris un peu trop vite, hein. Tournez à gauche. Ah, face à face, allez. Excuse-moi, je dois passer. À 400 mètres, tournez à gauche. Voilà, attention, voilà. Bon, j'ai coupé un peu de bois. Tournez à gauche. Ah, désolé, je regarde le chat en même temps et j'arrive pas à contrôler le véhicule, forcément. Allez, victoire. Je récupère une Holden Torana A9X édition Horizon. Ah, c'est pas mal ça. Ah, c'est Ska qui a récupéré cette voiture. Ah bah, d'accord. Faites le tour dès que possible. Sympa. Ah non, je dois aller de l'autre côté, hein, à mon avis, ouais. J'ai pas compris, hein.
Non, ouais, c'est ça. Ah mince! Ah, pourquoi il tourne lui? Au même moment que j'arrive? Allez, on va faire un petit défi en mode facile. Ça devrait passer normalement. Aïe! Ouais, sérieux. Allez. Faites demi-tour dès que possible. Face à face perdu, bah, ouais bon. Attends, j'étais en mode facile. Hein. Bon, j'ai pas compris là. Attendez. Voilà, c'est bon. À 400 mètres, tournez à droite. À droite. À 400 mètres, tournez à droite. Oh joli. Ok. Vous avez atteint votre destination. Ah c'était ça la destination. Ah mince alors. Attendez. Ah, j'ai dû le passer à mon avis, le truc du championnat. Parce que je pense qu'il me reste une course en buggy. Ah, elle est juste là en fait. Voilà. Elle est juste ici. Oh, on va garder le Ariel. Non, je pense qu'on va garder celui-là. 5-3, 7-2. Ouais. Regardez celui-là. Allez, c'est parti. Ah non, mais dès qu'il y a de la flotte, c'est incroyable l'aquaplaning. C'est incroyable. Ah! Ah bah d'accord, je me retrouve sur le toit. Génial. Ok, allez, on recommence l'épreuve. Dans le pire des cas, celle-là, il faut que j'arrive premier.
Oh purée, comment ça glisse? Pour l'instant, je suis 12e. C'est compliqué cette course-là. Aïe! Ah, bah, voilà. On commence. Le départ est pas bon, donc forcément, tu peux pas faire grand-chose. Voilà, arrive moins vite ici, voilà. Hop. Mais c'est incroyable comment tu glisses dès que... tu te retrouves à... sur de l'eau. Allez. Joli. Ça va être dur pour gagner cette course. Ça va être assez compliqué. Ah mince. Alors, à mon avis, le mieux c'est d'éviter de rouler dans ces genres de flaques d'eau. C'est pas évident. Ça va être dur. Ça va être dur pour finir premier. Hein. Là, c'est mal barré. On va la recommencer cette course. Parce que pour moi, c'est mauvais. Allez. Ah purée, pas possible ça.
Quel saut! Voilà. Ah, j'arriverai. Je pense que j'y arriverai pas sur cette course. C'est pas grave, voilà. On va la continuer juste histoire de. Ah! Purée, mais non, mais non! Ah, zéro. C'est nul ça! Allez, on reprend, c'est pas grave. Pas évident, hein. Ah, mais d'accord, ok. Point de contrôle. Ah mais ça, incroyable ça. Comment tu peux glisser sur. Ouais, je pense que je vais pas y arriver sur cette course. Je pense que c'est plutôt mal parti. Oh là 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 là. Oh là, c'est pas possible. Dès que ça glisse, c'est fait, c'est foutu quoi. Ah, c'est compliqué, hein. Ouais, pas évident. Ah, mais purée, mais pourquoi ils sont à l'arrêt? Mais sérieux? J'essaie au moins de terminer dans les 5 premiers.
Ah, ça va être chaud. Pas possible ça. Ah, j'y arriverai pas. Je pense que c'est mort. Oh purée. Bon, allez, on quitte l'épreuve. Je pense que j'y arriverai pas ce soir. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué à faire. Bon, c'est pas grave, on va essayer de partir sur autre chose. C'est dommage parce que ça fait partie du championnat que avec le buggy. Bon, allez, on va essayer de trouver un trésor de grange. Faites demi-tour dès que possible. Ah, dommage. À 200 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. Bon, allez. Essayer de regarder où je pourrais trouver une grange ici. Vous avez atteint votre destination. Ouais, ok. On va aller voir là-bas. Ici peut-être, je sais pas. Oui, ici je pense. Voilà. C'est bon. Ça fait le troisième. Allez, impressionne-moi. Cool, un buggy. C'est un meilleur Smanx. Je rêvais d'en avoir un quand j'étais gamin. Un meilleur Smanx ? Enfin, je voulais plutôt une Lamborghini Countach, mais j'ai réalisé que ce serait compliqué pour aller sur la plage. Je vais le ramener au garage. Tu pourras virevolter entre les dunes, on n'a rien de temps. J'espère que vous êtes prêts parce que la prochaine chanson qu'on va vous passer sur Hospital est une chanson de prouesse. Faites monter le son et essayez de doubler vos points avec des prouesses à la chaîne. Ça là-bas. Allez, on va profiter. Ouais.
Ah, juste là. Juste devant moi. Voilà. Oh! Alors, je sais pas si mon micro fonctionne, je vais vérifier ça sur la tablette. Non, bah c'est bon. Nickel. Alors, essayer de partir sur quoi? C'est dommage, j'y arrive pas cette dernière course de championnat. C'est plutôt embêtant. Attendez, je vais repartir ici. Il y a un trésor de grange à trouver. Profiter. À 400 mètres, prenez le virage serré à gauche. Prenez le virage serré à gauche. Salut King, bienvenue sur le live. Prenez le virage serré à droite. Destination. Alors, on va essayer de trouver une grange. Voilà. Là-bas, allez. Non, apparemment c'est pas là. Non, je pense pas. C'est pas ici. Il y a un panneau à découvrir ici, en profiter. Alors, pour récupérer du crédit. Et où? Ah, juste là. Ah d'accord, il est bien planqué celui-là. Ok.
Ouais, c'est chiant à trouver. Mais maintenant, bon, ça va, j'en ai trouvé 3. J'ai enfin compris ce qu'il fallait rechercher en fait. Hein. Ça vous a plu? Un mec au volant du Mazda a failli percuter notre cabine. C'était magique. Et vous n'avez encore rien vu. Ah, t'as jamais utilisé aucune voiture par rapport à ce que tu as récupéré sur les granges? D'accord. Bon, après, c'est un défi comme un autre. Hein. Ça te permet de d'avoir des bonus, hein, je pense. Hein. Ah, c'est vrai que c'est galère à trouver, hein, j'avoue. Bon, pour l'instant, je vois rien. Après, j'essaierai de refaire ma course, ma dernière course au niveau du championnat. Et pas. Il faut que j'arrive à au moins finir dans les 5 premiers. Ouais, c'est vite, t'as raison. C'est comme un GPS. Hein. C'est comme un GPS qui te dit tournez à gauche. Tournez à gauche. Faites demi-tour. Ça, c'est pareil, c'est. C'est assez saoulant quoi. Je suis bien d'accord avec toi. Ah, là-bas. Ah, je pense que ça doit être là, à mon avis. Oui, c'est juste là. Oui, voilà. Avec toi, mon pote, c'est Noël tous les jours. Oh purée, l'état de la voiture. C'est une Jaguar. Elle est bien rouillée, hein. C'est une Jaguar. Une MK2, si je dis pas de bêtises. MK2, d'accord. 3 litres 5, peinture de course. Mais on s'en moque, pas vrai? C'est vrai, c'est une Jaguar. C'est juste la classe. Bon, allez, un trésor de grange de trouver en plus. Et je vais la ramener au garage pour la restaurer. Je te recontacte. Bon, je pense qu'on va continuer. Hein. C'est quoi là? Juste là. Exhibition. Allez, on va partir là-bas. Dès que possible. Oh, c'est plutôt plus un live détente, hein, comme j'ai marqué dans le titre. C'est juste histoire d'avancer un petit peu dans le mode solo. Alors. La destination, elle est juste là. On va couper à travers. Tournez à droite. Pourquoi faire autant de route pour y accéder? Vous avez atteint votre destination. Allez, c'est parti pour l'exhibition. Alors, sprint buggy. On va changer de véhicule. Ah, allez, on va prendre ça, tiens. Sprint à très grande vitesse. Alors, qu'est-ce que j'ai comme voiture adéquate? Oh, purée, la Bugatti. 10, tel de route 7-9. Oh, je préfère plus prendre une voiture qui a une meilleure tenue de route. Et diminue en vitesse. Des beaux véhicules. Hein. Oh purée. Moi, je vais rester sur la Lamborghini. J'adore cette voiture. Avec le look. Ouais, elle est trop belle. Allez, pour le plaisir des yeux, on va prendre cette Lamborghini. La Centenario. Ouais. Du moins, à moi que je suis obligé de l'acheter. Attendez.
Ah, je la possède pas en fait, je suis obligé de l'acheter. Bon, je comprends pas là. Ah non, je suis pas sur le bon truc en fait. D'accord. Bon. C'est pas grave. Je fais n'importe quoi, mais c'est pas grave. Allez. J'ai un petit peu la traîne au démarrage, hein. Voilà, pour l'instant on est bon. Ça va moins faire attention pour les virages. Aïe! Eh voilà. Ah, ce virage est mortel. Ah non! Pourquoi tu ralentis? T'arrives trop vite! Forcément, tu vas te prendre le mur. Bah fini troisième. Bon. On va faire continuer, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer? Une BMW? Ah, ça c'est de la voiture aussi.
marque allemande. Mais je préfère Audi. Je préfère largement Audi que BMW. Mercedes un peu moins parce que bon, ça reste des véhicules de luxe pour moi. Audi aussi, tu me diras, mais c'est vrai qu'Audi. Hey mon pote, ton Buggy Meyer survit. Rendez-vous garage. Ok. Apparemment, j'ai un véhicule qui a été réparé. On va continuer tout doucement, hein, tranquillement, sur les 13 heures de grange. Voilà. Vu que c'est calme ce soir. On va continuer sur ça. À 400 mètres, tournez à droite. Alors, faire ce petit défi là que je viens de mettre en route. Oh purée, je pensais que j'allais faire un face à face. J'ai eu peur. Ah purée, techno, il y a à remporter pas mal de courses hein, apparemment. Ouais, mais je pars sur quoi? Rendez-vous au site du festival pour l'agrandir. Ah d'accord. Bon, bon, on y va alors. C'est parti. Allez, c'est parti pour l'exhibition. Ah, c'est sur du 4x4, je pense. J'ai pas trop le choix. Voir les infos de l'épreuve. Alors, regardez ça. Non, bon, on va continuer sur ce. Sur 4x4.
Allez. Allez. Voilà, des câbles. Alors, j'ai encore un tour à faire. Pour l'instant, j'ai un peu d'avance, donc c'est à moi pas à faire attention. Oh, c'est bon. Voilà. Yes. Ah, un petit peu de perte d'image, hein. Ça drop un peu apparemment. Voilà, là on est bon. Après il y a des filles. Allez. On va partir sur le trésor de grange. Ici, juste là, tiens. On va profiter. Si on changeait de voiture. Pour le plaisir, on changeait de voiture. Je vais reprendre ma Ford. Ah, la Dodge Viper GTS. Allez, on va prendre ça, tiens. Non, on prend ça. Oh purée, la Fiat là. 1975. Mais c'est quoi de cette voiture? On dirait un bateau. Ça ressemble à un bateau. Ouais. Un sous-marin. Ford GT 2017. Allez, pour le plaisir. Petite Ford GT.
Ce trésor est à ajouter à votre garage, ok? Un moteur de seulement 1,5 litre, mais un châssis tout en fibre de verre. Autant dire qu'il ne pèse quasiment rien. De quoi aller à toute blinde. Et il est homologué pour la route. Alors, qu'est-ce que t'attends? C'est pas comme voiture, ça. Ok, restaurer. On a surnommé la V-Spec Godzilla. Sans doute pour ses origines japonaises et la terreur qu'elle inspirait sur la piste. Je sais pas trop, mais je pense qu'elle est restée incomprise et qu'elle mérite tout notre amour. Ah, c'est une Nissan. Ok, d'accord. Les voitures japonaises ont beaucoup de succès ici. La proximité du Japon fait qu'elles sont abordables et répandues. Bien sûr, c'est moins cher et plus facile d'en trouver une dans une grange, mais on n'a pas tous cette chance. C'est quoi cette voiture? Une Skyline. Moi, je connais même pas cette marque. Bon, c'est une voiture japonaise, hein, comme il vient de le lire. Elle est jolie. Et pas mal. Et allez, pour le plaisir, on va conduire cette cette Ford. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle est jolie à l'intérieur. Ah ouais, d'accord, l'intérieur c'est comme ça. D'accord. Ah, c'est une GT 2017. Mon pote, si tu veux prendre du galon dans la société, il y a une Jaguar MK2 restaurée qui t'attend. Ah bon ? On va aller voir ça. Pas mal avec le B qui se soulève à l'arrière par rapport à ta vitesse. Ouais, c'est plutôt sympa. Alors. Ici, juste là. Dans les années 60, cette caisse était si rapide que tous les truands s'en servaient pour prendre la fuite. Alors la police a dû s'y mettre aussi. Tu vois, depuis 1959, la culture automobile met tout le monde d'accord. Jaguar. La MK2. Ok. Oh, le véhicule, toi. Ça paraît vraiment, vraiment solide. Hein. Je veux dire, de ce côté-là, il doit y avoir un sacré moteur là-dedans. Alors, il m'en reste combien de trésors de grange? Ah, oh, j'ai tout ça. Ah, ok, joli. Voilà, ce qui est un défi. Ouais. Allez, on va aller sur ce radar là, et après on va partir sur le trésor de granger ici. On va essayer de le trouver. À 400 mètres, déportez-vous sur la gauche. Oh là là, la sensation de vitesse avec cette Ford. Restez à gauche. À 200 mètres, restez à droite. Restez à droite.
Ah, ça nous fait rêver, hein. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Allez, oh, deuxième sortie. Ah non. Mais non, c'est pas là. J'ai légèrement loupé mon virage. Épreuve mix. Allez, on va faire une épreuve. Ah bah non, j'ai déjà fait celle-là. Oui, vaut, non, on s'en fout. Allez. Oh, quelle sensation de vitesse. Incroyable. Je kiffe ce jeu. Ah, il nous fait rêver, hein, Forza, hein, quand même. Hein. On aimerait bien conduire ce genre de véhicule. Hein. Vous avez atteint votre destination. Une étoile. Oh, ok. Ah, voilà, c'est mort. Du radar, c'est pas terrible. Une étoile. Allez, on va partir sur le trésor de grange. Tournez à droite. À 400 mètres, tournez à droite. Aïe! Allez, on va essayer de trouver cette grange. Si on partait là, tiens, pourquoi pas. C'est pour voir. Dommage de rouler avec une voiture comme ça dans les dans des routes en fait où il n'y a pas de bitume en fait. Ouais, c'est bien dommage. Je vois rien du tout. Faites demi-tour dès que possible. Oui, madame. Ah, peut-être là-bas. Juste là. Je pense que c'est là, à mon avis. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas cette branche là. Je me suis trompé. Non, bah c'est pas là.
pas grave, on a pas... On n'est pas venu ici pour un rien. À 200 mètres, tournez à gauche. Nouveau calcul de l'itinéraire. Ah, tu peux calculer. Calcul, calcul. À 200 mètres, tournez à droite. Ah, là-bas. Est-ce que ce serait pas une grange là-bas? Alors, on va aller voir ça. Non, c'est pas une grange. Ok. C'est pas ça. Ah, j'ai vu du blanc, je pense que c'était une grange. Je me suis dit. C'est vrai que c'est chiant à trouver ça. J'aurais dû garder mon 4x4 pour rouler dans des routes comme ça. Alors ça c'est quoi? Allez, on continue à faire l'exhibition. Oui, 8-2. Ah, changer de voiture, tiens. Passer avec une Ferrari. Ouais, je pense que j'ai pas trop traîné à couper. Ça commence à être dur. Mince. Ah d'accord. Oh purée. Bon. On la recommence hein. J'ai mal géré. C'est pas grave. Ah! Mais arrête de me pousser, toi! Sérieux? We'll be right back.
Compliqué. Comment veux-tu rouler avec une voiture comme ça dans... sur une route pareille, quoi? On va mieux avoir un 4x4, c'est vrai, hein. Ah! Pourquoi le contrôle? Non? Oui! Oh purée! Allez, on recommence. Salut Killer! Salut, bienvenue! Allez! Oh purée, c'est incroyable! Tenue de route, elle est horrible sur ce genre de route. C'est pas une voiture pour faire ça, quoi, en fait. Je pouvais pas changer de voiture. Je comprends pas. J'ai pas capté là. Ah, ça me saoule. On recommence. Purée, mais c'est pas possible. Tu peux pas rouler là-dessus. C'est ingérable, incontrôlable. Allez, pour les fun, on va essayer de terminer la course quand même. On finira 12e, hein. Voilà. On finira 12e. Salut Alexandre. Bienvenue. J'espère que ça va. T'as passé un bon samedi. Ah, elle est classe la Ferrari. Elle est pas mal. Non, je suis pas en hard, je pense pas. Celle-là, c'est une.
une course exhibition. Je suis parti à la recherche des trésors de grange. Voilà. Pour l'instant, c'est vraiment mode tranquille. Voilà, sur Forza. Jolie cette Ferrari. Hein. Ah, j'ai gagné un lot. Ah bon? Bah, je sais pas. Je sais pas trop. Je sais pas comment j'ai vraiment réglé le jeu. Je sais pas du tout. C'est quoi ça? Centre de message. Ah d'accord, j'ai des magasins de prouesse aussi à faire. J'ai 9 points. Ok, bah on va se faire plaisir. On va se faire plaisir. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Ça commence à être bien chargé au niveau des récompenses. C'est plutôt pas mal. C'est vrai qu'il y a un moment j'ai pas été voir. Alors, vous atteignez des sommets dans votre carrière, obtenez instantanément 30 000 de XP. Ouais, ok. Bon, là il manque un point de compétence. Chanson. Alors, petite question. Tu l'as acheté sur quel site Forza? Alors, moi je l'ai pris sur Instant Gaming. Voilà, je l'ai pris sur Instant Gaming. Bon, je ne suis pas partenaire avec eux. Hein. Voilà. Bien que j'ai le logo Instant Gaming sur le côté droit. Mais je vais te donner un lien. Tu peux aller faire un tour dessus. Voilà. Tu cliques sur le lien et puis tu... Moi, je l'ai pris sur ça, sur Instant Gaming. Voilà. Je pense qu'il y est encore d'ailleurs. Je vais même vérifier avant de dire des bêtises. Attends, je vais aller voir tout de suite sur Instant Gaming. Alors, j'achète tous mes jeux PC sur ce site. Voilà, je vais pas... Je vous rassure, je touche rien sur ce lien. Voilà, c'est vraiment minime. Si vous passez par mon lien, je touche pas grand-chose. Ah, tu connais pas trop, d'accord. Alors, franchement, Instant Gaming, c'est un site vraiment super pour l'achat de jeux PC. Je prends tous mes jeux dessus. Et j'ai jamais eu aucun souci avec. C'est un site de vraiment, vraiment de confiance. Donc à mon avis, si tu veux vraiment vraiment acheter des jeux PC, en fait c'est pas très compliqué. Hein. C'est du démat. Hein. Voilà. Quand t'achètes le jeu, t'as pas de version boîte, t'as pas le CD. C'est simplement, ils te donnent une clé à activer soit sur Steam, soit sur Uplay, soit sur Origin, par rapport au jeu que tu choisis. T'as juste une clé à rentrer sur par rapport à ce que je t'ai dit, soit sur Steam, Origin ou Uplay. Et puis voilà, après tu télécharges. Et le jeu coûte pratiquement, on va dire, 20% moins cher que sur le fait de l'acheter soit en version boîte. Voilà. C'est du démat en fait. Hein. Voilà, attends, je vais regarder si c'est bien sur ce site-là que je l'ai eu, il me semble. Je vais pas dire de bêtises. Mais n'hésite pas à demander des infos, Alexandre. Ouais, donc voilà. Alors. Là, il est à 38 euros. Mais bon, 38 euros, c'est pour la version Xbox One et PC. Voilà, c'est du
du Play Anywhere. Hein. Voilà, donc si tu as une Xbox One, tu pourras jouer dessus ainsi que sur PC. Voilà, il est à 38 euros pour te donner un exemple au lieu de 70 euros. Voilà. Ouais, pas de souci, Alexandre, pas de problème. J'ai également Facebook. Je vais te donner mon Discord, pourquoi pas, si tu as des questions à me poser sur Discord. Bon, je suis pas très actif sur Discord, hein. C'est un moyen que je n'utilise pas très souvent. J'utilise uniquement du Play machin. Play Anywhere. Voilà, avec mon accent anglais. Mon accent anglais qui est pas très bon. Ça s'appelle du Play Anywhere en fait. Il est compatible Xbox One et PC. Voilà. T'as pas de Discord, d'accord. Ok, pas de souci. Salut Croc. J'espère que ça va. Bienvenue. Voilà, mais n'hésite pas à poser des questions, Alexandre. Voilà, ça s'appelle comme ça, c'est du Play Anywhere, compatible Xbox One et PC. Mais je ne sais pas s'il y a une version uniquement sur PC, je ne pense pas, sur Instant Gaming. Bon, ça va, Croc, hein, voilà, un peu fatigué malgré tout. Mais ça va, on essaie de se détendre un petit peu sur du Forza. On est en mode tranquille sur Forza. On essaie de monter un petit peu au niveau de l'XP. Tu me retires une épingle du pied. Non, non, mais faut pas hésiter à poser des questions. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, je vais même t'envoyer un lien d'ailleurs. Du fait que c'est assez calme ce soir. Si par la suite tu veux streamer sur Twitch. Voilà, je vais t'envoyer un petit lien qui te permet tout simplement. Alors ça doit être ça, je pense. Est-ce que voilà, qui te donne des infos comment tu peux streamer à partir de ta console, à partir de ton PC, etc. Voilà, n'hésite pas à aller faire un tour, apprendre à streamer sur PC, PS4 ou Xbox One. On sait jamais, hein, par la suite si tu veux te lancer sur Twitch. Voilà, c'est un petit tuto. J'espère que le lien fonctionne encore. Bon, c'est un lien que j'utilise pas souvent. Je vais vérifier quand même. Ouais, non, bah ça fonctionne encore. Le lien est bon, pas de souci. Alors, ça m'a fait plaisir d'avoir des mecs comme toi qui. Ah non, non, moi je prends le temps de répondre aux personnes. Bon, quand c'est calme, surtout, bon, quand c'est un petit peu plus. Il y a un petit peu plus de monde sur le live, c'est pas toujours évident de répondre à tout le monde. Mais sinon, non, non, moi j'hésite pas à répondre. Hein. Voilà, y a pas, ça me gêne pas en fait. Hein. Au contraire, j'aime bien discuter de choses et d'autres. Voilà, si je peux apporter des petits conseils. Alors, je peux éventuellement te donner aussi d'autres infos. J'ai créé des commandes, mais je les connais pas par cœur. Ça doit être ça, je pense. Je sais pas si c'est ça, si c'est pas config, je sais plus. Non, cette commande-là ne fonctionne plus. Bon, c'est pas grave, il va falloir que je vérifie toutes mes commandes. Voilà, je connais pas tout par cœur. Je sais où m'adresser. Ouais, ok, Alexandre, y a pas de souci. Allez, on va repartir dans le jeu. Ouais, après tu peux te renseigner également à d'autres personnes qui s'y connaissent également. Hein. Bon, moi j'ai une certaine expérience au niveau informatique, mais je vais pas dire non plus que je connais tout par cœur. Hein. Voilà, ça évolue tellement au niveau de l'informatique qu'il faut éventuellement se mettre, enfin se mettre, se tenir informé en temps et en heure par rapport aux nouvelles sorties. Mais bon, j'essaie de rester quand même malgré tout assez actif sur toutes les news au niveau des nouveaux processeurs, au niveau des nouvelles cartes mères, etc.
Voilà, comme ça, si je peux apporter des conseils, y a pas de problème. Voilà. Alors. Ah, du coup, j'ai quitté Twitch. Attendez, je vais revenir sur ma page Twitch. Voilà. Voilà. Donc, allez, qu'est-ce qu'on va prendre pouvoir prendre dessus? Voilà. Voilà, je coupe le retour. J'espère que ça va, Croc. Hein. Bon, c'est assez rare, c'est vrai que je stream le samedi soir. Bon, j'ai ma femme qui travaille, donc elle se lève de bonne heure demain matin, 7h30. Et ouais, même si est dimanche, elle est obligée de se lever à 7h30. Ouais, donc c'est un boulot assez. Bon, ça va, c'est un week-end sur deux, donc ça va encore, quoi. Mais c'est pas évident. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre? 5. On va prendre ça. Allez. Alors moi je te conseille Instant Gaming, peut-être qu'il y a d'autres sites aussi hein, qui vendent également d'autres enfin qui utilisent le même principe de vente en ligne, on va dire. Il y a G2A, il y a. Il y a pas mal de sites comme ça qui essayent de concurrencer Instant Gaming. Mais jusqu'à maintenant, j'ai tout le temps pris sur Instant Gaming, j'ai jamais de soucis. Voilà. C'est un site très sérieux. Wow, purée, pas mal ça. Allez, on va le récupérer. Ça, c'est bon ça. Ah, j'ai pas récupéré? Sérieux? Mince. Ah, j'ai pas appuyé sur la bonne touche, c'est la touche B. Ah, désolé. Ouais, comme G2A, ouais. Mais après, G2A, je connais. Je peux pas t'apporter trop de conseils sur G2A. J'ai jamais commandé chez eux. J'ai jamais commandé, donc forcément. Alors, ici, je me retrouve encore avec 4 points. Voilà. Voilà. Alors ici, sur quoi je vais partir? Ah, ici peut-être. En zone de drift, en drift, je suis nul. Bon, ça c'est fait. Bon, allez, on va essayer de partir sur ce secteur-là pour trouver la grange. J'en ai déjà trouvé 4, il me semble. On va continuer. Faites demi-tour dès que possible. Je les ai récupérés, Alexandre? Ah, d'accord, j'ai pas fait attention, tu vois. Ah ouais, d'accord, à mon avis, j'avais 4 possibilités de tirage, ouais, c'est vrai. Oula. Oh là là, la vitesse. 222 km/h, bon, et puis encore, je suis pas à fond. À 100 mètres, restez à droite. Oh. Poteau électrique. Alors, le gros souci, c'est tellement puissant ce genre de voiture que dès que tu perds le contrôle, t'as du mal, quoi. T'as du mal à maîtriser la voiture, quoi. Voilà. Serré à droite. À Les 400 loups. mètres, tournez à gauche.
Ouais, j'arrive beaucoup trop vite dans le virage, donc forcément je le loupe. À 200 mètres, tournez à gauche. Si tu veux un petit conseil pour le drift, il faut pas que tu ailles trop vite avant. Ouais, je joue du frein à main en fait. D'accord, tu me conseilles de pas arriver trop vite dans les virages et puis jouer du frein à main, enfin du frein plutôt. Oh non, mais après, je suis pas un spécialiste des jeux de voiture. J'avoue que de ce côté-là, c'est bien des seuls jeux que où j'ai passé autant de temps. À 100 mètres, tournez à droite. Allez. Mais attends, conduire sur une route comme ça, toi, avec ce genre de voiture. Tournez à gauche. À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. À 200 mètres, tournez à gauche. On retrouve enfin du bitume. Après, je vais partir un petit peu sur du hot well, histoire de changer un peu de style. Ah, ça fait plus d'une heure et demie que je suis sur cette carte. Franchement, j'ai pas pris de la bonne voiture. J'ai dû garder mon petit 4x4. Ah! Ah, je suis en train de couper du bois pour l'hiver. Hein. À 400 mètres, tournez à droite. Faites demi-tour dès que possible. Nouveau calcul de l'itinéraire. Moi, j'ai perdu. Alors, rendez-vous sur un site du festival pour l'agrandir. Ok. À 100 mètres, tournez à droite. Oh, un petit défi collector ici, non? Créer un nouveau défi collector. Ouais, oh, je vais pas m'occuper de ça. On verra ça par la suite. Oui, côté vitesse, pas trop vite. Oui, la préférence c'est au frein à main. D'accord, Alexandre. Bah merci pour tes conseils. Pas de soucis. Allez, on va regarder les chutes. Des petits coins de paradis comme celui-ci, on en trouve partout quand on sait où chercher. Pourtant, il me semble que j'avais fait une commande pour Croc, mais elle ne fonctionne pas. Ah, dommage. Et puis le reste, ça se joue au volant. Oui, bah oui, voilà. Là, je suis au joystick, hein, donc forcément. Bah, tu dois t'en douter que je suis au joystick. Exhibition, j'ai déjà fait, donc c'est pas la peine. Après, je me prends pas la tête dans le jeu, hein. Je me balade comme ça, j'essaie d'avancer par rapport à ce que je peux découvrir vis-à-vis de la carte.
Il faudra que je revoie ma commande pour Croc. C'est bizarre, j'ai créé une commande pour l'ami Croc. J'ai fait une erreur au niveau du lien, à mon avis. À 400 mètres, déportez-vous sur la gauche. Ah bah d'accord. D'accord. Ah, le truc. Ah, il plantait mon PC. Ah, d'accord, il s'est coupé. Ok, bah il a bugué. Mon PC, il a bugué. Ok, bon, bah, c'est pas grave. Hein. On va le remettre en route. Oh, ça arrive de temps en temps que ça bug. Hein. Attendez. C'est pas grave si elle fonctionnait pas. Ouais. Bah non, mais c'est parce que j'ai créé une commande et puis le problème c'est qu'il faut que je m'en remette en mémoire comment je l'ai tapé. Ah, j'essaie. Il va falloir que je note tout ça en fait. Hein. Bon allez, on repart sur Forza. Je savais que t'allais dire ça, Croc. Bah non, mais c'est normal hein, que je vous crée des commandes. Hein. Ça me paraît normal. Ah, c'est la Porsche que j'ai affrontée. C'est le face à face en fait. Non, mais c'est normal, Croc. Hein. T'inquiète. Hein. J'essaie de faire plaisir à. Aux personnes qui viennent régulièrement, ça me paraît logique. Bon, après, c'est vrai que j'ai créé pas mal de. Ah, t'adores les Porsche. Moi, j'ai une petite préférence pour ce genre de véhicule, c'est Lamborghini. Voilà. Les Lamborghini sont belles, hein. La Lamborghini noire là, en fibre de carbone, waouh, c'est, je la trouve jolie. Pour un peu, je suis plus japonais, mais bon, c'est la première fois que je le dis. Ah ouais, ils sont pas mal les lambeaux. Vous aviez commencé un championnat. Voulez-vous que je calcule un itinéraire vers la prochaine épreuve ? Ah bah tu vois, j'avais un championnat à finir. On va y aller, on va le terminer justement. À 200 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Oula. Mais dans ce Forza, franchement, c'est ce que j'apprécie, c'est le réalisme du jeu en fait. Quand tu roules à 230 ou 240 km/h, je veux dire, c'est hyper réaliste. Et c'est pour ça que j'aime bien ce Forza. Aïe. Ah bah d'accord. Moi je suis pas. Génial ce soir. Hein. J'avoue. J'ai fait mieux hier.